Qu'est-ce que tu veux que je prenne dessus? Ah bah je sais pas, moi tu fais ce que tu veux, moi je... Voilà, bonjour YouTube. Bonsoir YouTube. Attends deux secondes, parce que faut que je fasse un cadeau à YouTube. YouTube, mon cadeau, je lance un chrono. C'est tout ce que je peux te faire comme cadeau. C'est tout pour moi, j'ai envie de te dire. Allez, je quitte le garage avec mon captart de base. Oula, le freeze. Oula, le freeze. Le freeze. Ça ne reste pas. Oh, c'est freeze. Sort du garage. Alors, du coup, comme promis, on revient. Ouais, on revient On revient jouer. T'as dit qu'on reviendrait jamais. Comment ça? Mais tu manges, Jacques. T'as dit que je reviendrais jamais. Non. C'est vrai. Alors oui, parce qu'Antonin a oublié de vous préciser une chose, mais il n'a fait que jouer à ça en fait quand j'avais le dos tourné en scred, comme un vieux lâche. Comme un vieux lâche, bien sale. C'était quoi déjà pour... Ah oui, c'est bon, j'ai les phares, c'est ça. C'était... Ouais. Salut, regarde, non, j'ai pas de phares. Que je l'ai bloqué. Attends, touche en l'air, c'est quoi? C'est les fonctions. Touche en bas, on sait pas. À gauche, on sait pas. À droite, on sait... C'est quoi les phares déjà? Ah oui, c'est vrai que c'est pas sur... C'est pas sur... C'est L, sur clavier. Sur clavier. Ouais, c'est bon, j'ai. Ok. Regarde dans le camion que j'ai. Ouais, la bouge vide, s'il te plaît. Pardon. Il reste un morceau de chocolat. Attends, je suis pas en boîte auto. Il faut savoir que ça fait 1h30 que j'attends que Marfan pour qu'il lance son jeu. Ah, déjà, t'as de la chance que je sois pas parti dormir, mais t'as trop bien. Ah, il est stylé, il est rigolo. Il est rigolo, lol. Donc, ouais, moulta amélioration de camion. Ah, oui, il faut que j'aille chercher ta caisse pour que tu la livres là. Waouh, ça va, t'as mis assez de phares là? Ouais, ouais, pardon. Parce que pendant l'instant, je me suis cru en plein jour là. Alors, dans ce jeu, j'ai découvert quelque chose que. Alors, attends, moi je vais chercher du béton et toi tu te démerdes avec tes conneries. On dit qu'on fait ça, ok? Attends, parce que la première chose à faire, c'est d'abord de remettre en service tous les ponts et tous les endroits à la con. Ah oui, tu veux d'abord qu'on fasse ça? Ouais, bah, en même temps, je peux tout à fait aller chercher le ciment à ramener à l'ours mal léché là. Ouais, moi parce qu'on a nos 4 paquets de ciment au même endroit, si je dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, oui, ils sont tous au même endroit. On était tous morts là-bas. Donc, moi, ce que je vais faire pendant ce temps-là, c'est que je vais partir, parce que du coup, j'ai un peu poncé cette carte, pour réparer des ponts. Comment ça, tu vas partir pour réparer des ponts? Tu vas quitter cette carte pour réparer des ponts? Non, 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 je vais monter dans le nord. Dans le nord, il y a une usine qui me donnera des barres d'acier qui me permettra de retaper le. Ah, mais là, t'es en train de chipoter, mec, on va aller faire ça à deux là. Attends, ça dépend, t'as besoin de faire qu'un seul aller-retour avec tes barres en acier? Il faut que j'en fasse deux. Deux? Parce que bah dans ce cas-là, viens avec moi, on livre ce foutu ciment qu'on avait laissé là, et après on monte dans le Chenor. Et comme ça on fait qu'un seul aller-retour dans les deux cas, et on est efficace. Ça marche, et il faut savoir aussi que j'ai découvert un truc, c'est que tu peux transférer le carburant d'un camion vers l'autre. Oui, j'ai vu ça aussi tout à l'heure, parce que je voulais rentrer tous mes camions dans le concessionnaire pour voir si c'était possible, et oui. Effectivement, bel et bien, ranger tous tes captars dans le concessionnaire. Et il y a moult améliorations telles dans le jeu, telles que des pneus pour la boue, des pneus pour la neige. Ouais. Tu peux moduler ton camion, c'est-à-dire que si tu veux faire un camion genre celui que j'ai, tu peux le moduler pour aller spécialement dans la boue, donc tu peux lui augmenter la taille de ses suspensions, tu peux le remonter. Changer ses pneus, mettre une boîte de vitesse spécialement conçue pour faire du terrain. Ou alors tu peux le laisser bas comme il est, mettre des pneus route, mettre une boîte de vitesse pour route et en faire un canon full route. Et est-ce qu'on peut être des jantalus des néons? Oui. Trop bien. Jeu de kéké sur moi. Tu peux pas mettre de néon, mais tu peux genre customiser ta cabine à l'intérieur si tu joues en première personne. Moi je suis quand même triste qu'il n'y ait pas la possibilité de rajouter le klaxon Cucaracha. Bien que j'ai vu que dans le défi tu débloquais des merdouilles. Hein. Genre la vainée à mettre. Je crois qu'il y a genre débloqué la vainée à mettre sur le tableau de bord. Vraiment les trucs inutiles sur 100. Hein. Mais tu le fais quand même parce que. Mais parce que justement t'es là pour ça en fait. Et après tu ne joues plus qu'en vue intérieure à l'intérieur. Tu fais hop. Je suis vue intérieure. Voilà, tut. Tut, fils de pute. Ouais, c'est vrai. Pourquoi j'avance plus? Parce que je suis à fond les ballons dans la boue. Ah, le jeu qui chipote. Ouais, faut dire. Ah, par contre, ça c'est un peu dommage. Le jeu cherche pas trop en fait le terrain avec les. En fait, les modifications sur les coins de terrain qu'on a défoncés, ils sont toujours là. Par contre, ils sont pas apparents. Non. C'est juste qu'à cet endroit-là, c'est de la boue de merde. C'est juste ça en fait. On va pas accrocher Troy. Ce que je veux, c'est ma grue. Votre grue. Ouais,
Alors attends, je dois juste passer avant, c'est un peu en plein milieu, tu vois. Ah, trop tard, mec, hein. C'est déjà lancé là. Personne peut t'aider là, mec. On s'en fout, ouais, pas loin ça. Quoi? Wow, 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 wow. Je vais vraiment tirer là? Oui, oui. Je vais vraiment me retourner là? Oui, oui. Arrête. Franchement, voilà. Je suis sûr que ça passe. Non, ça ne passera pas. Ce jeu est très punitif. Hein. Je me suis retourné des dizaines de fois tout seul pour rien. Ah, mais c'est parce que la caisse est en verlan. Je suis sûr que c'est ça. Non, 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 c'est juste qu'elle est lourde et que ton camion est incliné. Ouais. Je retire mes ancres. Hein? Faut que je ferme. Ah oui, faut que je ferme mes fonctions, oui. Je voulais dire, comment ça je peux pas me déplacer avec ma grue sans frein de main? Ah oui, parce qu'il faut que je freine. Faut que j'utilise aussi un truc qu'on appelle le frein à main. Ouais, ça aussi c'est important. Tu mets pas trop l'utilité, moi, mais bon. J'active mes ancres, je repasse en mode grue. Voilà, pof paf, attrape-moi une caisse là. Le fait que ce soit à l'envers ou pas ne change rien. Ouais, j'avoue, le jeu est pas très chiant. Bon, votre béton, ouais. Monsieur, on vous le livre à l'envers, la palette en verlan, mais TKT ma gueule, l'attention y est. Comment ça? Etienne? Ah oui, faut que je rentre le bras. Je voudrais baisser mon bras. Oui, merci. Voilà, on secoue un peu ton béton. Voilà, formidable. J'aurais des chips, monsieur. Café. Ah merde, comment je descends mon bras? FBC. J'enlève le fond de la grue, ouais, parfait. Ok, c'est bon, remets-moi le grue là. Voilà. Hop. Je réinitialise la grue avec les ancres. Oula. Empiler la cargaison. Avant de faire ça, je te conseille toujours de bien. J'arrive pas à lever ma grue. Ma grue est pas assez forte pour lever le. Tu veux que je mette un coup de cul dans ton béton? Attends, en fait. Ah bah ça attends. Marche pas. Non. On va essayer la gueule. Allez, à plus. Bon, je vais livrer. Hein. Ouais, vas-y. Ma grue n'a pas assez de force pour couper le béton en fait. Alors, ça, c'est pas vrai ça. Non, mais quand t'as l'étendue au max. En fait. L'idée aussi de l'attendre au max. Pas comme ta troisième jambe, mon gars, ça sert à rien de se l'attendre. Hein. Ou se la détendre. Enfin, donc, bref, t'as compris quoi. Oh. Ah, et dire qu'hier, avec mon pneu crevé, j'ai réussi à livrer une caisse que t'as pas pu livrer. Enfin, avant-hier. Enfin, bref, la dernière fois. Et dire que moi, j'ai réussi à faire cette quête-là tout seul, en solo, en faisant qu'un seul aller-retour, parce que j'ai pensé à réparer le pont. T'es un type étrange, toi. Mais comment t'as fait? Parce qu'il te fallait. Ah oui, t'avais deux palettes? Ou ouais, tu tirais un autre camion? Tu tirais une remorque en fait. D'accord, ok. Oui, le fameux truc qu'on nous a dit de prendre des remorques, quelle idée stupide. Bah, quand t'es deux, t'en as pas forcément besoin. C'est ça. Mais juste d'ailleurs pas du seul, tout. Pas très exact. Bah, ouais. Et quand t'es tout seul, par contre, la remorque, c'est vraiment, vraiment pas mal. Parce que tu prends ton chargement, tu le mets sur ta remorque. Merde, j'ai pas réparé le pont, tu laisses ta remorque là, elle contient le chargement, tu décharges une pièce à côté, tu reviens avec ta barre en métal. Ah, si tu veux, on peut choper une autre quête à côté, tant qu'à faire. Je sais plus comment on livre. Tu fais C. Pas si c'est sur PC, sur clavier, en tout cas. Je peux que recommencer. Sinon, faut que tu maintiennes la touche, en fait, pour passer la truc. C'est bien ça, normalement, je dois t'amener ça devant chez toi, là. Gestion de cargaison. Ok, décharge-le, ouais, c'est bon. Ok, c'est bon. Non, c'est juste que je crois qu'il voulait pas, parce que j'avais pas mis la quête en actif. T'as d'autres tâches, par contre, le vieux? Non. Non, il n'y en a qu'une. Ah, il faut savoir un truc, que la forme, tant qu'on n'a pas la boîte de vitesse améliorée pour le terrain, quand tu t'arrêtes, que t'as l'air autant lisé, passe en automatique. Je suis toujours en auto, moi, en fait. Non, mais quand je suis américain, mec, hein. Je suis toujours en automatique.
Ah oui. Le mec, il a cru que je savais ce que c'était une boîte méca. Joue un américain. Allô. Allô. Do you know the United States of America, the pays of the libertad? Por favor, mucho más gracias. C'est tout ça, Enrique Iglesias. Ah non, c'est un rapport. Ah si. Je crois pas. Il y a un rapport, en vrai. Acceptez le cash. Je sais pas. Je le prends quand même. Alors, maintenant, on va. Ok, maintenant tu veux qu'on aille taper quoi? Le pont du Schnorr. Non, on va faire un autre truc. On va d'abord aller faire la citerne abandonnée dans la rivière. La citerne abandonnée dans la rivière. Oui, parce qu'en fait, on doit passer à un endroit où il y a une... Si tu veux, la route est bloquée. Il y a un éboulement de terrain dessus. Et on doit passer à côté pour pouvoir aller atteindre les tiges de fer. Alors attends, est-ce que c'est une quête ou pas du tout? C'est une quête. Qui s'appelle? On l'a pas débloqué parce qu'on ne l'a pas vu. D'accord. Ah ok, d'accord. Mais donc on la débloquera quand on y sera. On a débloqué déjà des quêtes supplémentaires à savoir. Hein. Oui. Ouais. En fait, dans ce monde, tu as des objets abandonnés qui te donnent des quêtes. Des remorques qui se traînent au milieu de nulle. Comme le vieux monsieur qu'on vient de trouver qui nous a donné sa quête que quand on l'a trouvé en fait. C'est ça. Ok. Ouais, y a moult conneries. Hein. On a fait une quête, on a tout débloqué d'un coup. Hein. Bon bah allez, c'est parti. Hein. C'est ça. Faut pas gâcher livré à la maison sur la colline internationale Lobster 1700. On avait cette quête là, non? Ouais, c'est un truc qu'on a dû trouver. Maison sur la colline. Ah oui, je vois où c'est. Mais y aller, ça va pas t'intéresser. Moi? Ouais, là, ça va pas t'intéresser du tout. Bon, t'es reparti par où toi? T'es en train de remonter la route là? Ouais, il faut qu'on remonte la route en fait pour atteindre l'autre côté. Ok. Parce qu'en fait, il faut qu'on reprenne un petit peu la route qu'on a réparée. C'est la première. Le problème, c'est que c'est un bloc différentiel. En fait, la petite mission qu'on a, la livrée à la maison sur la colline, un international Lobster 1700, c'est là où toi, tu t'es crashé avec ta caisse. Ah, wow, super fun. Alors moi, je veux bien aller la faire en soi, hein. Parce que je suis un petit peu. Non, mais on verra la faire, mais pour l'instant... Par contre, le Lobster, tu le trouves où, quoi? Tu dois l'acheter? Et le livrer? Attends, livrer quoi? Un Lobster 1700. Il est peut-être... en fait, il est peut-être sur les autres cartes. Parce que, comme je le dis, dans ce jeu, toutes les cartes Alaska sont reliées entre elles. Ah. Et quand tu charges le jeu, tu charges toutes les cartes plus ou moins en même temps. Intéressant. Donc, il se peut que tu aies des quêtes qui te demandent en fait de traverser plusieurs de ces états. D'accord. C'est pour ça qu'il est plus intéressant de se balader et de faire les quêtes que tu trouves dans le monde en remettant en état les infrastructures, plutôt que tout de suite faire les grosses quêtes. Ok. Parce que comme ça, quand tu reviendras, tu pourras utiliser les infrastructures déjà réparées. Sans être emmerdé et perdre du temps. Et je te conseille vraiment, quand tu as l'arrêt, de couper ton moteur. Plutôt que de laisser tourner. Une idée de con, ça. Ce serait pas une idée de communiste ou de. En pire, une idée d'écolo. Moi, je reconnais ça. Ce serait pas un peu contre les armes, contre la libre circulation des armes, toi aussi? C'est bizarre. Mais. Pas un américain, toi. Non, mais. En fait, il y a des moments où tu vas te retrouver à avoir 40 litres d'essence, à regarder sur ta carte où tu dois aller, et pendant que tu cherches où est-ce que tu vas, tu vas perdre 20 litres. Moi, je sais pas, je suis à moitié de mon plan, je me sens bien. Hein. J'ai utilisé 80 litres. Ouais, je suis à 79, on est bien. Hein. Ah, c'est trop bien, je vois ton camion sur la carte. Oui, je vais au cimetière. Comme ça, j'ai su que tu remontais la route d'ailleurs. Il faudra qu'on aille aussi chercher des améliorations, tout ça qui traîne sur la carte, et récupérer le camion que j'ai.
qu'il est sur cette carte là. Donc ça, si t'en veux pas, tu peux le revendre, ça te fait 120 000 d'argent. Oh non, on va s'amuser avec. Ah oui, carrément, allons débloquer le camion. Mais pour ça, faut réparer le pont. Et prendre les. Notre petite voiture. Pourquoi faut prendre la petite voiture? Parce qu'il est dans un endroit de merde, coincé entre des arbres. Ah. Et j'avoue, en vrai, ça avait l'air de rien, mais en vrai, on est des tryharders. Parce que là, je viens de toucher la route et je viens de me dire, mais pourquoi en fait j'ai pas juste rappelé mon véhicule? Ouais, pour sortir et reprendre la route et repartir plus vite. Bah, c'est ça. Bah, tu vois, on serait déjà là en fait, on serait déjà arrivé à l'endroit où tu voulais aller. Parce que là, on est à côté de la maison, quoi. Bah, ouais, ouais, mais non, c'est pas fun. Moi je récupère. Oh pardon. On va à gauche parce qu'à droite il y a un éboulement de cailloux donc on peut pas passer. Je pousse un peu, hein. T'as pas l'air d'avancer très vite là. Bah surtout que j'ai pas de bloc différentiel donc c'est un peu compliqué. Ah donc ton camion il est un peu pourri, t'es en train de dire. Si tu veux, sûr, je passe devant, je te laboure le terrain et tu peux plus rouler. On fait ça? Non. Mais si, toi tu peux passer. Non. Tu sais que tu peux pas me devancer. Si. Tu sais que tu combats pour rien, Jack. Attends, parce que là. Pour rien là. Les mots de pousser, t'avances pas. Pourtant, je te pousse, hein. J'aime tout ce que j'ai. Attends, salaud, il me distance. Ouais. Il faut que je fasse un peu de chasse-neige là. Donc, je vous l'enseigner. Oh putain, non. T'as merdé, oh, Jack. C'est de la merde. Bah, en fait, j'ai mes pneus avant qui sont entièrement dans la boue. Attends, je passe ma arrière. Ah putain, putain de merde. Ah, les vitesses sur le clavier, vas-y, hop. Faut que tu passes devant, je peux pas passer. Ton camion il est pourri! Laisse faire papa! Bah, passe pas tout droit, hein. Ouais, passe pas ici. Ah ouais, sacré bouillasse quand même, hein. Ah, c'est pas, ça vient pas forcément que mon camion. Mais comme j'ai pas de bloc différentiel pour m'en sortir, c'est compliqué. T'inquiète, j'ai un talent inné pour labourer la boue. Et les champs. Ok, on zigzag. Et tout ça en boîte automatique. Non, ça serait pas ça ton machin à récupérer là? Ouais, c'est ça. Donc tu t'en approches, voilà, c'est la caisse, et maintenant faut le sortir. T'aurais mieux fait t'approcher en marche arrière. Mieux fait d'approchant de marche arrière. Bon, faut quoi? Faut le récupérer à la. Faut le récupérer, le sortir et. Non, pas la grue, tu peux le remarquer. Si tu en approches suffisamment, tu vas l'activer. Ah oui! Mais moi je vais pas me faire chier avec ça là. Tu pourras pas choper la grue, je pense pas. Ah ouais, t'es sûr? Ah oui, merde, il est bon. Raison. Réinitialiser la grue. Bon. Ouais, je veux une petite marche arrière de Texan là. Ah, tu vois ce que j'en fais de ton écologie là? T'as compris là ce que j'en fais de ton écologie là? T'appelles Jean-Marie Levert toi, hein? Ouais. Non, mais j'ai compris. Tu veux pas que je me pousse? Non, c'est bon. Tu vas encore t'enliser, encore passer 3 quarts d'heure sur place. Tu vas faire tomber une caisse alors que t'en as même pas. C'est terrible quoi. Et là, ce strike que tu. Non. Quoi, ça compte? Non, ça compte pas. Ça compte, ça? Je chipote le jeu, là. Attends, je vais te le remettre dedans. Je peux. Non, ça... Remets le droit, si tu peux. Bah, c'est ce que j'essaye. On met dedans, mais à l'endroit. Alors? Voilà. Encore un peu. Ouais, sauf que pour le remettre droit, là, ça va être showtime. Hein. Oula. Un petit freeze. Petit freeze. Ça revient juste après la pub. Il y a un petit rafraîchissement du jeu, des fois, qui fait mal. Hein. Ah ouais, le jeu, le, le,
moins 150 millions de FPS pendant 3 minutes. Non, ça c'est, non ça c'est le troy automatique. Moi je veux le troy manuel. Ah, je peux pas ? Ah, moi je peux. Quel foutage de gueule. Ah, si, il faut que je fasse ça. Ok, sélectionner le point de troy. Et je peux troyer. Alors, du coup, la question c'est est-ce que je troy ? Ouais, ici là. J'essaie de le remonter comme ça. Et là, paf ! On recule. Marche arrière. Et on le remet droit. Et en même temps, on tire sur le treuil. Et alors, tu vas faire quoi ? Ah putain, je suis passé dessus. C'est bien dommage. Hein. Ouais. Par contre, je vais te libérer le treuil. C'est dedans. Attends, je vais aller lui mettre un punch de face, peut-être. Un petit punch de face, peut-être. Ou peut-être justement de la grue. Ah, de la grue, peut-être, pour le relever. Pourquoi pas ? Qu'est-ce qu'on en pense ? Quand je dis on, je parle de toi en fait. Hein. Allo connard ? Oh, on a perdu là. Oui, là, attends, non, mais je suis là. Je la mets juste comme ça. On peut la prendre et la tirer direct. Mais quand je disais que j'allais la relever avec la... En fait, t'écoutes pas quand je parle en fait, c'est ça le projet. Hein. Mais ici, on est à plat sur le terrain. Là où putain, je suis. Vraiment. Pour la grue. Résumé de ma vie, je parle, je donne des idées de génie. Bon, je faisais tout pour rien. Tu veux que je le grue là ? Je sais pas si tu peux, ouais. Super, c'est moins pratique, mais bon, c'est pas grave. Il est encore dans la flotte. Bon, après, je peux juste foutre une baigne dedans. Hein. Ah non, ça marche pas. Bon. Bon, sinon, attends, sinon je vais faire alors, un truc. Paf. Je vais la remettre droite, c'est bon, ça va faire. Bon, ça, tu vas la mettre droite. Attends, qu'est-ce que tu veux mettre droite ? Je reviendrai quand je suis dans l'ordre. Tac. Non. Ouais, je mets ce point là. C'est bon, j'ai. Là ? Je lève le machin là, je sais pas si c'est très. C'est concret. Est-ce que c'est mon camion qui est en train de se lever ? Non. Non, tu l'as pas accroché. Bah si. Si, je suis accroché sur la remorque là. Ah, moi je le vois pas. J'ai mais tiré. De là, commande je peux pouvoir l'attraper. Là, je peux l'attraper. Oh, attention ! Ah, d'accord, je pense que c'était un lag du jeu. En fait, je crois que mon camion va se retourner, c'est ça ? T'es en train de partir en avant, ouais. Oula. Attends. T'es okay. Décroché de la remorque ? Attends. Je resserre mon frein à main, excuse-moi. Je vais mettre mes ancres. Un doute. Je vais repasser en mode grue. Alors, c'est quoi l'histoire de cette grue qui a pas voulu accrocher Là, je peux la treuil et la remettre à côté. Je vais essayer. Ah, mais c'est parce que je suis pas sur le bon truc, merde. Ouais, en fait, j'étais pas sur le. Oh oui, en fait. Bah, est-ce que tu peux l'attraper toi de ton côté ou pas ? Alors, calme-toi, touche plus à rien. On réinitialise tout. Tac. Non, pas ça. Enlève-moi ce frein. Ah putain, c'est retourné, bordel. Je vais accrocher Troy à partir de l'avant. De l'avant, s'il vous plaît. Ouais, sur genre ça. Voilà. Joli. C'est voilà, fait. Là, on l'a. C'est placé. Je te laisse raccorder le coin. Avant et de lâcher mon treuil. Je suis pas sûr que mon camion soit apte à la prendre. Je vais regarder, mais je suis pas sûr. Non, mais treuil là, en fait. Juste treuil là, en fait. On s'en bat les couilles. Yep. Sors de là. Voilà. Je peux pas l'attraper tant. Ok, je lâche donc mon treuil. Je l'ai. Donc là, je vais la sortir. Je me mets prêt à le treuiller à n'importe quel moment. Hein. T'es prêt ? Ça marche. Si jamais ouais, ça pue du cul, tu lâches ton treuil et je le prends. Hein. Ça marche. Ça va le faire. Au pire, je la sors comme un gros bourrin et on la remet droit sur la route. Hein. Toi qui vois ? Ouais, je sors comme un gros bourrin. En fait, t'emportes un caillou avec toi. Ouais, je vois ça. Sinon, lâche-la et moi j'essaie de la tirer vers moi. Hein. Depuis l'avant. Ah, oh, c'est bon. Ah, oh, c'est bon, c'est nickel. Ah, oh, c'est nickel. Et faut la remettre dans l'eau impérativement. Non, là faut qu'on la ramène à la station étant. Mais alors, du coup, le logo de mettre son cul dans l'eau, tout le monde s'en fout. Hein. Ouais. Ok. Super. Est-ce... Bah, il faut. Moi je ne peux pas l'atteler. Moi j'ai pas. Je ne peux pas. Tu peux pas quoi ? Je me pousse. Je peux pas l'atteler. Ma remorque, ma benne dans l'eau est trop longue.
Ah bah ça doit être pareil pour moi mec. Non, toi tu dois pouvoir. Vérifie, mais toi tu dois pouvoir. Sinon on peut la laisser là, on viendra la chercher plus tard. Atelier remorque, c'est tout en haut. Atelier remorque. Ah c'est bon, c'est passé. Alors est-ce que je peux accéder à ma remorque là maintenant? Pourquoi j'ai plus les fonctions? Ouais, parce que c'est une remorque de mission, t'as pas le droit de pomper de l'essence dedans. Oui, mais j'ai même plus accès à mes fonctions tout court. Parce qu'il faut que tu la ramènes. Ok. Donc là, si je veux treuil, je peux plus quoi. Mais par contre, faut l'amener où, mec? À livraison de citerne là? Ouais, c'est juste au-dessus, c'est pas loin. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Pour ça, je vais avoir besoin vraiment que tu te bouges le boule, mec, hein, parce que j'ai plus de carburant en fait. Bah, je peux te mettre le mien, attends, je m'arrête pour le côté, tu passes à côté, je te remets le mien, ok? Il me reste encore 168. Arrête de monter, j'ai plus de carburant, allô? Plus de carburant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il reste 10 litres, donc si tu continues à monter, je vais plus monter quoi. Ça, je vais m'arrêter dans la côte. Ah putain, ta merde. Vas-y, mets ton frein à main, j'arrive. Ah, du tout comme ça, j'ai pas le temps là, je suis lancé mec, je vais pas m'embourber. Hein. Je continue. Hein. Ce sera gentil de pousser ta gueule de là. Merci. Oh, je suis vraiment embourbé là. Alors, j'ai mis mon frein à main. Okay, ah bah c'est bon, super. J'ai ce qu'il faut. Allez bouge, il y a un vieux caillou là-dedans. Super. Attends, enlève ton câble, je vais passer. Je vais me mettre devant, je vais taper. Ah j'ai rien du tout, sinon je tâte celui-là, là, cet arbre-là. Hop, je me sors de la bouillasse, la caillasseuse là. Regarde, hop, je me mets dans la neige. Et là, on peut rouler. Ouais, parce qu'en fait, le problème, c'est pas mon camion. Le problème, c'est la remorque qui est en train de poncer le fond de la roche, quoi. T'as l'air dans la merde, toi. Non, pas le faire. Ok. Hop. Alors, pars en boîte auto. Tu vas pouvoir assurer la suite en carburant, là? Ouais, je te dis, moi j'ai un super gros réservoir, j'ai encore 70 litres. 70 litres? Ouais. C'est pas ouf non plus, hein. Mais moi j'ai largement assez pour atteindre. C'est quoi, si je te tire, là? C'est quoi le délire? Moi, tu me tires pas, hein. Non, c'est la remorque qui te bloque, hein. Elle roule avec les oncles, la remorque, ou c'est comment? Non. Elle est lourde, hein. Tu portes. C'est pas qu'elle est lourde, surtout c'est qu'elle est trop basse et qu'il y a tout qui ponce sur le sol. C'est déjà le problème d'une des remorques de Splinter Mud Runner, rappelle-toi. La remorque, ses ancres latérales, même recourbées, elles s'accrochaient sur tout ce qui traînait, quoi. Ok, attends, passe à côté, je vais essayer de passer devant. Ou pas, parce que je suis sorti du champ battu, du coup, je m'en fous. Je suis en train d'abattre tous les sapins de la région. Ouais, je les vois pas, ça sera le sol. Bon bah, petit chasse-neige, hein. On connaît, hein. On avance doucement, mais on y va. On y va, on y va. On aurait bien aimé accélérer à un moment donné, quoi. Est-ce qu'elle est pas pédée, la remorque? Quoi? Est-ce qu'elle a pas subi des dégâts à la remorque? Je sais pas, je peux pas le savoir puisque je peux pas activer. Si. Ah, tu peux pas activer le mode analyse? Je sais pas comment t'actives le mode analyse. Afficher les dégâts. En gros, tu ouvres ton menu. Comme... Ah non, t'as pas accès à ton menu là, les fonctions. Je sais pas, tout à l'heure j'ai réussi à me treuiller, donc ça me dégoûte.
Pourquoi je suis sur The Soldier? Je m'en fous de The Soldier. Voilà, merci, je veux les miennes. Merci. Et après, normalement, tu peux faire afficher les dégâts. Faire le plein. Merci. Antonin, tu veux que je vienne faire le plein? Si tu veux, moi, il me reste encore tout ce plein. Oui, mais je serai moins lourd. Vas-y. Je veux plus de Ravitaillos. Pourquoi? Parce que tu as utilisé ton réservoir à toi, je crois, non? Ah oui, d'accord, ok, il y a un truc obscur. Donc là, il faut que j'utilise la source, c'est remorque à carburant. La cible, c'est le Royal BMT Sandwich Tomate Oignon. Et là, c'est le QRS 58 appelé El Bandidos. Et voilà, et ma remorque est un peu plus légère, cette grosse merde. Et ça ne change absolument rien, je suis embourbé comme un gros. J'arrive. Je passe au-dessus et je te tire. Pourquoi? Non, j'ai des roues bloquées à l'arrière qui ne roulent pas. Je dois avoir une caillasse dedans. Littéralement, elle gratte par terre là. Je me mets en haut, ok, ah, et je te tire. Okay. Je dois avoir une merde dans l'essieu qui m'empêche de. De faire mon truc. Ah merci, au moins on avance là, hein, c'est plaisir. Là après c'est une descente, donc fais gaffe de pas freiner surtout. Parce ouais, que les remorques dans ce jeu n'ont pas de frein. Hein. Ah mais je freinerai pas, t'inquiète. Ah y'a un caillou de merde, pardon. Fais gaffe, c'est le caillou qui est là qui t'emmerde. C'est plus facile comme ça. Vas-y, hein. Ah, attends, parce que là c'est de la merde. Pour passer. T'as peut-être pas les bons pneus, toi, non? Moi j'ai absolument tout sauf les bons pneus. Hein. Il se passe quelque chose quand je te pousse ou pas, au moins? Non, rien. Bon, attends, je vais essayer. Il se passe rien du tout là quand je te pousse là? Non. Ok, je vais essayer de passer à côté de toi. Attends. Je vais essayer de passer à côté de toi. Hop là, je pousse un peu le cul. Je suis vrai, je passe un peu. Pardon monsieur. Ah, le Deben qui s'accroche, ça c'est chiant. Ouais. Ah, ça c'est chiant. Alors, attends. Très bien, parfait, arrête de t'enfoncer, tu te fais pas chier. Là ça passe, à partir de là. Ah, I have a kleine problème. Lequel? Toi t'étais en poussant? Voilà, j'étais un peu enlisé quoi. Ah, I have a kleine problème, encore enlisé. Pour l'instant ça tournaille. On n'est presque plus mais ça tournaille. Hein. On cherche les petits cailloux. Continue, va livrer la mission. Hein. Et reviens me chercher après. Oh je peux te tirer là, toi c'est juste passer la colline que tu galères là, c'est le petit bout de neige et tout. Ouais. Ah, c'est bien. Parce que j'ai pas de bloc différentiel comme toi. Attends, je redémarre. Non, excuse-moi, ils t'ont treuillé alors que c'est pas toi que je vais treuiller, moi je vais treuiller l'arc qui est devant. Parce que je crois que t'es à portée de ma remorque là, non? Ouais, parce qu'on peut sur la remorque, donc j'avance encore un peu. Voilà, je libère mon treuil, et bah maintenant si tu veux te treuiller à moi là, c'est bon? Ouais, c'est prêt. Allez. Merci. Ça va mieux? Ouais. Juste le temps de sortir de neige et après, voilà, c'est bon. Hop! T'as roulé? Oui. Parce que du coup, je me suis un petit peu enlisé avec cette histoire là. Petite flaque de bouillasse là. Le... Et là, d'un coup, ça roule tout seul là. Là, t'attends de la route.
Non, je suis dans de la boue. Non, non, c'est considéré comme de la route. Regarde la tête qui a la boue. Ça fait une espèce de granule en fait. Tu vois, genre. Pourtant, on nage bien dedans. C'est juste que je patine à fond les vitesses et que ça. Patauge bien. Ils sont pas faciles les missions en vrai. Hein. C'est vraiment passé dans des coins de merde. Hein. Ouais. Tu veux que je tire ? Non, non, c'est bon. J'attends juste que tu dégages et que ça finisse de charger. Parce que là, t'étais parti pour me pousser dans le sapin à fond les manettes. Tout à fait. J'étais pas dessus pourtant. Hein. C'est pas là qu'il fallait livrer sa merde à l'autre ? Ici. Ou peut-être à l'autre, celle d'après. Je sais pas pourquoi on travaille ici. Ah, ça c'est pour le. Ça c'est pour quand tu veux faire les chargements manuels. Ah, ok. Mode des tryharders quoi. C'est ça. Question de la cargaison. C'est ça. Non, je veux pas. Je veux pas que tu me files du fuel, connard. Sélectionne la mission. Oui, alors attends, c'est là. Tac. C'était quoi la mission ? C'est passé. Ok. Ceci, on n'a que ça, livraison de pièces de foreuse, carburant, photo de machin, mining, fourniture de fourrage. Ah non, mais il faut que je fasse. C'est comme ça que ça marche. Ah non, mais ça marche juste pas parce que je suis pas adapté à cette merde, évidemment. Et tu le non adapté. Non, vraiment. Elle plaît ce jeu. Oh, ça pousse moi cette remorque de con. Là. Mais je crois que c'est ici, hein. Regarde. Cette tâche, attends, c'est en train de me gonfler là, bouge pas. J'arrache tout, je fais un grand tour. Tiens, livraison de citerne activée, la mission. Ouais. Elle est active, hein. Elle est activée la mission, faut que tu la sélectionnes maintenant. Tu regardes ta carte, tu vas dans les tâches, livraison de citerne, tu fais suivre. Et maintenant tu dois pouvoir la livrer. Ok, c'est faut bon. Que tu la livres là, là. Là où je suis. Ouais, je vois, mec, je me galère, hein, deux secondes, hein, parce que c'est impossible de tourner avec cette merde en fait. Tu veux que je la pousse ? Non mais tu peux. T'as pas compris, je ne peux pas tourner avec cette merde à cause de mon cul, la remorque ça tourne pas. Regarde, là je suis à l'angle de braquage max. Hein. Voilà. Je sais, mais ce que je veux dire c'est que je peux tirer ton camion avec le pipe. Ça change rien, je me bouffe tous les obstacles, mec. Le problème c'est que c'est pas que j'arrive pas à tourner, c'est qu'en fait il y a trop de merdouilles qui nous empêchent de tourner correctement. Du coup j'ai pris j'ai déjà pris un quart de dégâts de moteur. Mais bon. Ah, ouais, c'est procurant, merci. Ah, attends, voilà. Station service là. Bon, est-ce qu'il y a moyen que tu me rebricoles un truc là ? Ouais. Il n'y a pas moyen de se réparer ? Non, il n'y a rien du tout. Non. Le mec il a du fuel là. Attends, le mec il a du fuel. On a pas une livraison de carburant à la con quelque part là ? Si, mais il faut faire le tour de la carte pour ça, donc attends. Ouais, d'accord. Je reviens. Je vais juste aller activer la mission de déblaiement des roches. Ah oui, c'est ça, il faut qu'on aille absolument déblayer la roche. Mais du coup, j'emporte du fuel avec moi, à ton avis, ou pas, là ? Non, tu peux pas utiliser le fuel qui est dans ton cargo. Non, mais attends, tu arrête de me tirer, réfléchis deux secondes. Oui. Je suis juste en train de dire, on va aller à ton truc, là, effectivement, pour réparer le pont. T'es encore en train de rouler, je suis sur la carte, je te vois. Oui, non, mais tout ce que je fais, c'est que je vais aux roches qui sont sur la route pour l'activer. Parce que si on a une barre de métal sur nous et qu'on n'a pas activé la quête, ça considérera pas qu'on a pris la barre en métal pour elle. Ok, parce que moi la question c'était là, en gros, peu importe où est-ce qu'il faut qu'on aille, j'ai envie de dire, ne devrions-nous pas embarquer du pétrole, comme ça on le dépose quelque part, on s'en fout, mais plus proche de la maison. Faut pas gâcher. Faut livrer ça. Mais dans tous les cas, il faut qu'on fasse le déblaiement de cailloux. Conteneur dans la rivière. En tous les cas, faut qu'on fasse cette quête-là. Regarde, là où je suis. PTDR, t'es où ? Ok. Et donc, voilà. Là, c'est laquelle ? Obstacle rocheux. Et il nous faut des tiges en métal pour le faire. Et il faut aller au port. Il faut aller au port pour les récupérer.
coûtera en métal. Non, non c'est pas ça. Je sais pas, il m'a montré le port, c'est con. Je vais récupérer ailleurs, moi. Ok. Regarde, on peut aller à l'usine qui est au-dessus. Aussi. Usine. À gauche de toi. T'as une usine que tu vois pas. Ah oui. Ah oui, exact. Il y a même un objectif dessus. Ok, c'est parti. Mais attends, d'abord. Bon, on va l'usine. Par arrière. Et j'ai crevé un pneu. Excellent, ça, on adore. D'ailleurs, moi, je me suis pas réparé. Hein. Je vais pas ouf. Hein. Et maintenant, si tu fais V et que tu regardes l'état de ton véhicule, tu peux voir l'état de que tu vas dans tes options. Si tu appuies sur X, tu peux voir l'état des modules, exactement, dans quel dégâts ils ont. Parce que tu peux choisir ce que tu répares ou pas. Ah d'accord. Voilà, donc si ta suspension est morte et que tu as juste de quoi réparer soit ta suspension, soit les autres parties, tu peux choisir si tu la laisses morte ou pas. Il est bien ce petit camion, ah, hein. T'as aussi des flics contre la montre à faire. D'accord. Pour du argent. Bon, on pourra voir tout ça, hein. Pour l'instant, je suis en train de foncer à l'usine. Vas-y, je fais le plein. Et attends, et du coup, le fait que toi t'aies trouvé le défi, ça me le révèle aussi ou faut que j'aille le trouver aussi? Je suis pas allé dessus, j'ai pas regardé le défi. Mais normalement, tu le vois, hein. Moi, je le vois, toi aussi, tu le vois. Parce que ça t'a donné la mission. À côté de la station essence, on le débloquera quand on aura les barres en métal, si tu veux. Ok, ouais, on fera ça. Donc deux poutres, c'est parti. J'en prends une. J'arrive. Oh, tu sais, je suis sûr que je peux en prendre deux, mec. J'en traîne une avec la grue. Hein. J'en assois. Ah, il y a des tâches à prendre ici aussi. Prends tout. Afficher les tâches. On accepte, c'est bien. Ouais. Ah, il faut récupérer des remorques de réparation qui ont été paumées. Hein. Ouais. Hop. Les mecs, ils gardent des remorques, tu sais pas comment ils font, mais ils y arrivent. Hein. Je suis en train de monter un tuyau là. Hop là, j'ai l'impression d'être une petite maf. C'est un sens de reproduction. Gestion de la gargaison. Hop, c'est chargé, c'est je me casse. Hein. Putain. Attends, j'arrive. Ah putain. Ouais, c'est parti. Attends, parce que moi je pense que je vais m'en rentrerai à des endroits avec la cargaison à cause de mon à plat. J'ai gardé le camion qui était trop bien. Mais, en vrai, hein. Parce que le mien là il glissouille tout le temps et en fait quand il est chargé, bah juste ça va en fait. Ouais, c'est ça, juste en fait, ça va en fait. C'est bien par là que je vais. Ouais. Est-ce que par là qu'il faut que j'aille? Par là. C'est. Non, je suis en train de... Ta gueule! Dis pas oui alors tu sais pas où je vais. Ferme-la. Embourbe-toi, abruti de couillon. Ouais, c'est ça, pauvre tâche. Ouais. Elle va mourir. Putain, ton camion va mourir. Je me considère comme de la route, ça. Sur la route, là, en fait. Sur le canon que j'ai, c'est que je peux choisir de changer ma transmission intégrale ou pas. Ouais. Ce que j'aime bien sur le mien, c'est que t'as juste besoin d'appuyer sur RT, quoi. En fait, RT c'est Tetris, quoi. Je trouve comme un sac, et ça se passe très bien. Allez, un go traverser la flotte. À fond les ballons! De l'eau dangereux en fait, il m'a juste dit en fait c'est dangereux ou trop tard t'es parti. C'était bien.
Eh, hey, mais c'était censé être dangereux ici. Oh, la livraison sur la route, là, mais quel plaisir. Quoi? J'ai pété un amortisseur sur un vieux caillou. Au secours. Qu'est-ce que l'amortisseur? Qu'est-ce que ça fait? Non, il est pas encore pété, hein, mais tout va bien. Ouais. Tout va bien, mais enfin, je veux dire, fais gaffe, parce qu'en passant à fond devant la station de c'est des petits cailloux un peu plus loin. On prend deux dégâts. Hein. Ah oui, un défi gaffe. Contre la montre, j'ai trouvé. Voilà, c'est passe dessus, tu vas le révéler. Ok. Ah, il faut que je passe dessus. Ouais, pour le révéler. Ouais, course contre la montre, mais avec de l'acier, hein. Rien à foutre, hein. Non, tu peux pas. Pour le faire, tu peux pas le faire en camion. Pour te donner une idée, j'ai essayé en camion, j'ai fait. Je peux pas, moi. Parce qu'en fait, tu vas que dans de la montagne. Ouais, il faut prendre un petit, quoi. Pour ouais. Balader avec les petits. C'est cool. Mais c'est, ça change, en fait. Quoi? C'est vraiment une mission, ton but. Pardon? C'est seulement de. Qu'est-ce qui est arrivé? Pardon? Il y a un mur invisible devant moi, ou c'est comment? Où ça? Ah, je suis bloqué. Comme si j'étais incrusté. Ah, je suis en train de glitch dans la carte. Ah. Pourquoi il me propose que des fonctions de ton véhicule de con là? C'est comment pour switcher sur le mien? Ok, c'est bon, j'ai. Est-ce que je peux déballer cargaison? C'est pas la cargaison qui me fait bugger. En pile. Ah, c'est bon? C'est bon? Parce que ça m'a débugué. C'est un panneau, c'est un ouais, panneau qui est accroché. Ah, mais je voyais pas de panneau, mec. Hein. Moi, j'étais complètement. Panneaux. Regarde là, paf, je viens de me bloquer. Il y a un panneau là devant moi? Non, mais ils sont pas. Ah, si, il y a un cadavre de panneau, regarde dans la route. Qui est en train de s'enfoncer. Putain, voilà. Le jeu, il m'invente des panneaux, quoi. C'est ça, t'as arraché des panneaux, je ne sais pas trop où. Moi, je les ai pas eu au même endroit. Ah, tu veux dire qu'à un moment donné j'ai arraché un panneau et c'était lui qui était en train de se bloquer dans mes roues? C'est ça, et il se bloquait dans ta transmission. Ah, super. Hein. Fais attention parce que c'est la route. C'est juste. Ouais, bah, plus loin, un peu plus loin. Je vais prendre à fond, on verra bien. Après le virage, t'as le déblaiement un peu plus loin. Je vois ton camion qui boing boing partout. Ah ouais, ouais, non mais il boing boing tellement bien par contre. Ouais, c'est ici, j'ai cru un peu. O-K-L-M. Et là, faut peut-être que tu maintiennes la touche. Je vais lancer le frein à main, il a fait Osef, continue. En fait, juste Osef. Joseph de Joseph. C'est déchargé, bien. Monsieur. Alors, là, faut faire attention, ça retire pas tous les cailloux. Ah oui, ok, faut que je passe. Faut quand même contourner un petit peu. Vous passez okay, au cœur. Mais moi, je suis. Ouais, moi, je passe au milieu. Passe au cœur. Salut la gueule. Maintenant, on va au pont, ou alors on va réparer. Tu veux qu'on répare quoi? Véhicule. Ah, on passe au garage? Bah ouais, c'est sur le chemin. Ok, d'accord. Parti. Pendant qu'au passage, tu peux récupérer le conteneur. Ah, c'est bon, tu l'as planté où? Le conteneur, il a été téléporté au... Dans le bâtiment. Oh, t'es sérieux? Oui, parce qu'il était passé à travers la carte. Ah oui, t'avais glitchouillé avec ça là. J'avais glissé et le cargo. Ah, j'ai glissé, je connais cette excuse. J'ai déjà vu celle-là, on l'a déjà faite. Mais bon. À l'autre. Je suis pas devant moi, si. Super. Droite après, ça c'est le panneau vers moi. Ah non, c'est le garage là aussi? Ouais, c'est un garage, ouais, quitté, ouais. Et je suis full réparé, full gasoil. Allez, salut! Ah oui, je dirais que ma spécialité c'est rouler avec le frein à main.
C'est quoi, c'est au niveau des remorques que tu veux que je récupère? Non, non, y a rien à récupérer, on peut y aller. De quoi? Là, y a rien à récupérer, on peut y aller. C'est plus loin, c'est l'autre, okay. C'est l'autre entreprise, celle d'après. Celle de gauche, c'est ça? Ouais, faut qu'on aille à gauche. C'est moi, t'as voulu me faire le boule là? Non, non, plus, non, 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 non. Moins à gauche. Ouais. Ouais, en fait, tout droit en fait. Yes, et ensuite là à gauche. J'ai hâte d'avoir le pneu de rechange. Quand je serai level 6 pour ce camion. Quand je serai niveau 6, j'achèterai un pneu de rechange. Incroyable. Et c'est les... ça c'est les caisses de cargaison machin ça. Pas les mêmes. C'est celle-là. Et tu peux la récupérer. Cette forme de chargement, ok. C'est juste une boîte genre pièce de rechange, hein. C'est pas. Ah sinon attends, on fait plus simple hein. Quête. En quête du nord. 1.1.b.c. Non ça c'est. De quoi il parle ça... Oui ça c'est de la merde. Mais on avait. C'est une quête officielle, hein, ça. Et ça, le conteneur de fret, c'est ici. En fait, faut prendre un conteneur de fret. Oui, mais il est où ton conteneur de fret? Mais il est censé être ici. Bah, visiblement pas. Si tu parles à la tâche, là, ici. Non, mais surtout, attends, ce qui m'embête, c'est que je vois plus la quête qui existe. Ah, faut peut-être faire recommencer. Oui, mais je veux bien la recommencer, mais elle est où? Là, ici, là où je suis. Là où t'es? Là, à côté de moi. Par l'eau, c'est tout. Attends, t'es en train de me dire qu'il va falloir qu'on se retape les deux caisses là? Alors que t'as toujours ton acier sur le cul. Mais attends, mais moi j'avais posé l'acier, voilà. C'est parti. En train de me régaler là. Hein. Ah oui, mais du coup tu débloques le pont, c'est ça par contre? Ouais, je débloque le pont par contre. Ah oh, ouais, par contre c'est un méga win. C'est easy le jeu. Alors, par contre du coup, c'est peut-être j'ai envie de dire un petit reproche que j'ai envie de faire au jeu, c'est-à-dire que si t'as pas, enfin tu vois, si tu regardes notre premier épisode, clairement. On s'aperçoit que ce jeu est une vraie galère. Ah oui. Pas dire une play. Ce jeu faut le faire dans un seul sens, c'est-à-dire voilà. Développer les et structures. C'est ça. Et quand tu regardes la game 2, tu te dis bah si je fais pareil, en fait le jeu ça roule tout seul quoi en fait. Réponse oui. Le jeu, il n'y a qu'un seul moyen de jouer, c'est développer les infrastructures, puis après faire les quêtes. Étrange ça, développer des infrastructures. C'est bizarre ça. Une américain normalement. Vraiment, on fait exploser des trucs. Mais justement, on les a fait exploser, on n'a pas pu faire avec les impôts. Ouais, mais pour ça, il y a les Français, il y a les autres pays qui construisent. On leur dit, offrez-nous la Statue de la Liberté. Voilà. Mais ça, les branches en béton. Ah. Je crois que t'as livré de l'acier, pas du bois. Ah c'est ok d'accord. Acier et bois. J'accepte l'argent de la réparation du port. Hein. J'ai beaucoup participé. Tout le monde s'en rappelle. Hein. On se rappelle de GG. Je sais pas c'est quoi le bug de cette branche, vraiment, sans déconner. Ouais, t'as les pixels branches si tu cherches pas. Mais merde. Non, arrête de me troyer sur cette merde là. Pourquoi moi mes touches de raccourci fonction machin ça marche pas? Ça va me casser les noix. Ça me pète les noix. Alors moi en fait à première vue c'est un espèce de bas gauche. Non. On sait pas comment ça marche en fait. Faut que je fasse un truc verrouillé bizarre. Bref. Accrocher 3 et oui de là à. Hop hop. Non. You. On est ici.
Tac, tac, tac. Là. Voilà, merci. Enlever le frein à main. Travaille-moi ça. Oh putain, c'est tout ce que t'avais, le bout de bois, là. Accrocher treuil. Ici. Un genre... Oh, c'est très bien, là-bas. La pétard, mon nez, ta branche pixel, là. C'est bon. Oh, c'est la vie. On perd 200 litres de gasoil sur un truc. Mais après, les réservoirs, c'est un des seuls trucs qui ne peut pas améliorer ce que j'ai vu sur les véhicules. C'est relativement embêtant. Bon, je te prends le plus dur comme d'hab. Hein. Celui qui est à moitié retourné, donc moi, ça change pas grand chose. Ouais, ça change pas grand chose. Attention, sûr. D'ailleurs, bonne question, je peux le try, mon machin hein. Ouais, tu peux le try, je le tirer. Je peux try la caisse là. Ah ouais, tu peux juste la tirer comme un gros bourrin. Non, non, on peut pas. Pas. On peut pas. De la merde. Plaisir ça. Active les ancres, déploie-moi la grue. Petit freeze là. Oh. Petit freeze des 1 heure. Voilà ça. Ah, c'est parce que t'es en train de faire des trucs de l'espace avec ta caisse là. Le jeu était pas prêt. Ah, je suis au bras tendu maximum quoi. Ouais. D'accord. Oh, je suis en train de glitch dans ta grue, ça fait plaisir. Dans ma grue ? Tu savais à quel point ? Ouais, ouais. Comment ça ? Ouais, j'ai ma caméra là, je suis en train de glitch, 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 glitch. Ah, très agréable. Oh, très agréable. De quoi ? T'as vu ta caisse, ce qu'elle a fait ? Non. Mais je suppose que ça devait être très passionnant. Et je suis même en train de me poser la question, est-ce que c'est important de poser ma caisse droite en vrai? Oui, parce que sinon il la prendra pas. C'est sûr, hein, parce que tout à l'heure j'ai posé mon béton, c'était un peu de traviole quand même. Hein. Non, non, pas forcément droite, mais il faut qu'elle soit plus ou moins orientée comme ça devrait l'être. Tu vois, genre là, je peux la remettre et ça passerait. Ouais, c'est, hop, rentrer ça. Tu baisses, voilà. Est-ce que tu baisses? Oui, tu baisses. Ouf, on va dire qu'on y est à peu près là. Et là en fait si je quitte ça genre comme ça avec ma caisse et que je suis en train de dire eh vas-y empile la cargaison, je suis un escroc. J'ai rien à dire, je suis juste un escroc, c'est bon. Fin de l'histoire. En fait pourquoi on s'emmerde à les poser en fait, juste on les maintient. Ah là j'ai vu une branche voler. Ah t'as dégagé littéralement la branche du bug. Moi? Je crois, ouais. Impression. J'ai l'impression que la plupart des camions sont meilleurs quand ils sont chargés. Ouais, parce que... c'est pas faux. Je te suis hein, j'ai envie de te dire. Hein. Ouais. Ça fait combien de temps qu'on tourne là? 58 minutes 30 monsieur. Minutes. Il nous reste 1 minute 30 minutes. Pour amener nos caisses là. C'est ça. Allez hein, c'est le rugby Suka Bliette. À fond les ballons. Ah, et on a un peu cette fois. Tu feras gaffe, j'ai déraciné des panneaux sur le côté. De limitation de vitesse. Ça disait rouler à 55, je suis passé un petit peu au-dessus. Je suis passé un petit peu à travers. Maintenant il y a juste écrit rouler. C'est tout. Le mec a juste arraché le haut du panneau avec son rétro, il a juste écrit 55. Non, 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 ah t'as échoué. Oh tu as échoué aussi. Oh non. On a vraiment fait ça. Ah c'est trop beau. C'est incroyable. Oh non. Attends, moi je peux me troy. Hein. Tu peux te troy? Ah, moi je peux me troy mec. Hein. Tu détaches ta cargaison. Ah tu veux que je détache ma cargaison? Alors déjà je peux pas parce que moi tu sais le jeu... Le jeu je sais pas pourquoi il veut pas... Voilà ma touche elle fonctionne pas très bien. Après je peux récupérer mon camion. Hein.
qu'on va faire ça, hein. Quitter le garage. Par contre, elle est où ma caisse maintenant? Elle est toujours là-bas. Elle est là-bas? Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Je viens de spawn, elle est toujours là-bas. Go, 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 go! Ah, mec, on a perdu tellement de temps à cause de toi. Hein. Comment ça à cause de moi? Bah, c'est toi qui m'a dit de faire ça, moi je te suis, je fais comme toi. Hein. Ah, moi je suis. Tu es mon modèle, hein, tu comprends? Ah, ouais, c'est vrai que c'est moi si les. Tu es ma référence. Ah, c'était toi qui étais devant, tu te débrouilles, hein. Ah, t'es devant, t'as freiné, j'ai essayé de freiner derrière, je suis tombé, hein. À cause de tes conneries. Ah, le jeu vient de me dire que t'as quitté le garage et que tu viens de rentrer dans le garage. C'est intéressant, ça. Ouais, parce qu'en fait, j'ai glissé, j'ai tapé une rambarde, j'ai crevé mon pouce droit. J'ai crevé dans le mur, j'ai crevé mon pouce gauche et j'ai cassé mon pouce. Ah non, mais faut que t'arrêtes de me faire rire comme ça, s'il te plaît. J'ai un truc en travers de la gorge, là. Me faites pas rire. Allez, je vais. Allez, si on s'offrait un peu de vue intérieure, parce que finalement, ça fait un peu de moins de bruit. C'est agréable, la vue intérieure. Un truc que je trouve dommage, c'est qu'on a pas les JPEG, mais que le mec s'est pas fait chier non plus à afficher genre les boutons plein phare ou les trucs comme ça, tu vois, genre... Ah, oui, je sais pas trop regarder, mais ouais, sûrement. Non, moi j'ai regardé un petit peu, tu vois, genre j'ai un peu poncé le jeu, 9h, 9h de jeu sans toi, c'est bien. Combien? 9h. Salaud. Voilà. Ce que j'ai oublié de vous dire, Antonin, c'est que c'est moi qui lui ai offert le jeu. On est sur le faire, soi-disant sa carte bleue passée. Enfin, soi-disant, ouais. Oh, mais il la trouve pas ma carte, je comprends pas. Soi-disant, vraiment. Escroc. Ouais. Résultat, tu platines le game. Ah bah. Faut ça, hein, faut que je rattrape mes heures sur Mode Runner. Hein. Sur Mode Runner, c'est toi qui connaissais tout, sur celui-là, c'est moi qui vais tout connaître. Hein. Ouais, bah visiblement conduire c'est toujours pas au programme de ce que tu dois apprendre quoi. Ah non. Alors attention, hein, je vais être très précis monsieur, hein. Moi je récupère ma caisse, hein. La tienne j'en ai rien à péter, c'est très exactement la mienne que je récupère. Hein. Voilà. C'est-à-dire que t'es obligé d'attendre que je finisse. La connard, ouais. Ah c'est bien ça, ouais. Ouais, ça suffit, hein. Arrête de me pousser, espèce d'escro. Hop, remplis les cargaisons. Finissez les aigrus. Hop, vas-y, je me casse. Tu vas pousser? Moi aussi, j'ai poussé. Dégage-moi ton camion de là maintenant que tu me gênes. Vire, j'ai un let's play à terminer là. Mais t'es sérieux là? Tu veux vraiment empêcher de terminer mon let's play? Ah, monsieur, on commence une mission là. Ah, mais il m'a bloqué vraiment tout le pont. Comme une grosse pute. Excusez-moi, hein, je passe, vous m'excuserez. Voilà. Allez, salut. Bon, un jeu de PD, là. Bon, mince. Je vais pas la moitié de mon level. Elle fait gaffe, hein, après, il y a un virage, hein. Faudrait pas que tu te retournes, hein. Mais j'aime retourner. Ouais. Complètement. Moi, j'ai été à deux doigts. Hein. Pas 100% tu te retournes. Il va freiner, il va se mettre en première et tout. Ça patine un peu par là. Bonjour de faire ça. Alors, du coup, j'ai relivré la caisse que j'avais déjà livrée. Hein. Alors, par contre, sache que le haut du pont n'est pas compté comme étant un obstacle. Hein. Ah, il est invisible. Ouais. Oh, j'ai défoncé ma bagnole. Incroyable. Ah, ma bagnole. Bon, attendu l'eau, ça. Voilà. À cause de toi, on a déjà pris 4 minutes dans la phase. Bon, j'avais bouclé un peu avant, mais voilà. On a pris 4 minutes. 4 minutes, on fiche Charles. Genre, c'est officiel. Non, ça ne fait pas comme ça l'est. Et bah voilà, c'est accepté, monsieur. Avec ton camion espagnol. Vous faire des bisous à YouTube maintenant. Au revoir, YouTube. Et bisous, YouTube.